Salut à tous, on se retrouve aujourd'hui pour l'épisode 7 de La Ferme des Belles. Aujourd'hui, les amis, on se retrouve pour fabriquer de la farine. Et bah écoutez, on voit tout ça juste après l'intro. Allez les amis, bah écoutez, j'espère que vous allez bien, moi ça va super bien. On se retrouve aujourd'hui pour la fabrication de la farine. Donc là, bah, je vais finir de moissonner ma petite parcelle de seigle, puisque voilà, la farine se fait avec du seigle sur cette map. Voilà, je suis super content de vous montrer ça, puisque c'est vrai que c'est quelque chose qu'on voit pas souvent dans Farming. Donc là, je suis assez content de pouvoir vous montrer ça. Donc là, bah, j'avais avancé le temps, donc comme vous pouvez le voir, bah, y a pas mal de mauvaises herbes. Donc là, bah, j'avais pas pu traiter, donc après c'est pas très très grave, hein, c'est juste qu'il y a un petit peu moins de rendement, mais bon. Après voilà, ça n'empêche pas de pouvoir récolter. Alors donc là, bah, je vais compléter la benne. Donc en gros, il faut 8 tonnes de seigle pour le moulin pour faire la farine. Donc là, logiquement, on devrait pas être très... Enfin, on devrait même avoir un petit peu plus que les 8 tonnes. Voilà, on arrive quasiment à 12 ou 13 tonnes. Donc comme ça, on a ce qu'il faut en matière pour aller faire de la farine. Donc voilà, n'hésitez pas à me dire si vous en avez déjà fait sur cette map. Donc là, on va faire ça et je pense qu'on va aller en vendre. Et tout à l'heure, en fait, je regardais les prix et au final, ça... Ça vaut quand même le coup, puisque là, vous voyez, on est à 3231 euros la tonne de farine en fait. Donc je me suis dit que ça valait le coup d'en faire quand même. Donc après, il faut juste savoir que c'est des sacs de 250 kilos, je crois. Donc voilà, il faut quand même pas mal de sacs si vraiment on veut gagner pas mal d'argent avec ça. Donc là, bah écoutez, on est parti, on va aller au moulin. Donc on va aller faire notre petite farine. Donc je suis super content de pouvoir faire ça, hein, ça fait super plaisir. Et j'ai vu aussi qu'on pouvait faire du pain avec la farine. Donc là je vais juste vous montrer comment ça se passe pour la fabrication. Mais parce que je crois que pour faire du pain il faut acheter de la levure. Donc ça on verra ça peut-être dans une prochaine vidéo. Voilà, ça peut être intéressant de vous montrer un petit peu comment ça fonctionne. Voilà, on est parti, on va au moulin. Je crois qu'on n'est plus très très loin, plus. Voilà, c'est là où il y a le point bleu à droite. Donc voilà, voilà. Donc là, on est à 179 000 euros. Voilà, pour les personnes qui me suivent sur Twitch, en fait, j'avais fait pas mal de streams sur cette map, j'avais fait quelques missions. Donc il y avait des bonnes missions à 30 et 40 000 euros. Donc voilà, j'avais fait ces deux missions-là. Et puis, comme ça m'avait bien remonté au niveau de l'argent. Puisque voilà, je voulais acheter le pâturage pour mettre des chèvres. Donc là, la parcelle, je crois, elle a 172 000 euros. Mais après, voilà, si j'ai pas l'argent pour acheter des chèvres, au final, ça va pas servir à grand-chose. Donc là, c'est pour ça que je me suis dit, bah, pire, pourquoi pas faire un petit peu de farine. Comme, on sait que c'est un peu plus de 3 000 euros la tonne. Donc ça vaut assez le coup. Alors, donc là, bah, voilà, on arrive au moulin. Tac. Non, c'est pas ça que je voulais faire. Voilà, sortir un petit peu de la cabine. Allez. Donc là, bah, en fait, le silo, c'est celui qui est juste à côté du bâtiment. Donc voilà, il faut 8 tonnes de seigle pour pouvoir faire nos sacs de farine. Enfin, vraiment pour que la jauge soit complète. Tac. Allez, c'est parti. Donc là, il y a le moulin qui se met en route. Moi, je trouve ça assez bien fait quand même, ce système-là. Donc là, j'avais pris le petit buggy John Deere pour charger les sacs. Alors du coup après bah, on va parler au meunier. Tac, donc ça c'est bon. Donc moi je vais accélérer un petit peu le temps histoire que ça aille un petit peu plus vite parce qu'après je sais pas trop
le temps qu'il faut attendre pour avoir les sacs. Donc là, bah, je vais avancer, voilà. Tac. Voilà. Donc on a nos. Bah, je pense que voilà, il faut au moins une heure. Au moins une heure pour faire la farine. Alors bah là, tac, on va mettre ça dans la benne. Et donc voilà, on a nos petits sacs de farine qui se mettent ici, hein, tranquille. Je pensais qu'au final ça sortait sur palette, mais non, en fait ça sort directement sur sac. Enfin en sac. Donc bon, après c'est pas très très grave, hein. Du coup bah là on va charger ça et puis comme ça on va aller les vendre. Comme ça va nous faire un petit peu plus de 3000 euros puisque je vois qu'il y a 5 sacs. Tac. Et là du coup bah les. Il y a le moulin qui s'est remis en route. Et il va refaire des autres sacs. Ah merde, celui-ci est parti un peu loin. Donc là je fais comme ça parce qu'après je sais pas trop comment je peux faire, tu vois. Après voilà, je trouve que ça va, c'est assez réaliste comme ça. Bah du coup là je vais peut-être remettre un petit peu de seigle, histoire que qu'on puisse refaire des sacs. Voilà, c'est bon. Le silo est plein. Et après bah sinon vous faites CTRL G hein, pour avoir le Global Company. Ensuite vous cliquez sur le moulin et vous faites aperçu. Entrée, voilà, faire entrer. Et là, voilà, ça y est, c'est reparti au niveau de la fabrication. Donc, ouais, je pense qu'il faut une heure pour avoir au moins 5 sacs de farine. Donc, là, on va déjà aller vendre cela. Hein. Donc, je me suis dit, bah voilà, autant prendre le petit John Deere, le buggy. Par contre, je peux pas mettre de sangle sur la benne. Ah non. Ok, bah écoutez, on va essayer de pas les perdre en route. Hein. Alors, donc là, on est parti. On va aller à la boutique vendre la farine. Je vais juste regarder où est-ce que ça se trouve. Puisque je sais pas l'endroit en fait. Tic. Ah, en fait, il y a deux endroits. Il y a la boutique. Par contre, je sais pas si je peux le marquer sur la carte. Ça serait pas mal, je pense. Épicerie, filature, ok. C'est pas ici. Bah, ça doit pas être très très loin, je pense. Hein, parce que j'ai pas regardé où ça se situait. Donc là, c'est pas ici. Bah, boutique, ça doit être. Je sais pas où ça se trouve, ça. Magasin, filature. Marchand. Bah écoutez, je pense que je vais peut-être faire l'épicerie du village, parce que je vois pas où est la boutique. Tac, c'est pas ici. Laiterie, maraîcher. Ici c'est écarissage, ok. Bah écoutez, je pense qu'on va aller à l'épicerie, puisque je vois pas où est la boutique. Après, vu que je connais pas trop. Attends, est-ce que si je m'approche un petit peu. Non, je vois pas trop. Bah écoutez, on va aller à l'épicerie du village. Voilà. Après, il n'y a pas une grande différence entre les deux. Ah bah si, quand même. 200 euros à peu près. Bon, écoutez, c'est pas très très grave. Après, voilà. C'est histoire de vous montrer comment ça fonctionne. Bah allez, on est parti. Du coup. Voilà, on va essayer de pas perdre les sacs. Ça serait pas mal quand même. Au pire, je vais peut-être m'arrêter au magasin. Je pense que c'est peut-être là-bas. Je sais pas trop en fait. Parce que. Je vois que c'est marqué boutique. Alors peut-être que ça peut être le magasin. Peut-être que ça n'a pas le même nom. Au final, je sais pas trop. Bah écoutez, c'est pas très très grave. On va aller voir ça. Vu qu'on passe devant, de toute façon. Allez. Donc on est parti. Bah voilà, je vais en profiter en même temps pour vous remercier. Merci à tous les nouveaux abonnés qui ont rejoint la chaîne, hein, ça fait super plaisir. Et puis bah voilà, n'hésitez pas à me suivre sur les réseaux sociaux, hein, sur Facebook, Instagram. Et puis vous avez également Twitch où je fais pas mal de streams. Et puis après, bah, vous pouvez aussi m'ajouter sur Discord si vous le souhaitez, hein, ça fait toujours plaisir. Et puis en tout cas, bah, je tenais à vous remercier, ça fait hyper plaisir.
de voir que mes petites vidéos plaisent et puis merci à tous pour vos coms, hein, ça fait hyper plaisir. Alors, devant que là, bah voilà, on passe juste devant la parcelle que j'étais en train de faire. Donc ouais, on va peut-être s'arrêter à la boutique, parce que je pense que c'est peut-être là-bas quand même, je pense. Enfin, au magasin. Puisque je pensais que ça, ils ont peut-être pas donné le même nom au final. Je sais pas trop comment ils appellent ça en fait, mais. Alors, donc logiquement, on n'est pas très très loin. Donc là, on va prendre ici. Bah voilà, je pense que ça doit être là. Bon, là, ça va nous faire un petit 3200 euros, je pense, quelque chose comme ça. Est-ce que c'est ici? Non, ici, ça doit être pour les chevaux. Parce que tu vois, je peux pas faire le marquage. Je pensais que je pouvais faire le marquage, mais non. Alors, donc là, on est là. Ou peut-être que ça s'appelle auberge. Bah écoutez, on va aller voir à l'auberge. Si c'est bien celle-ci. Mais après, c'est pas grave, sinon, au pire, je les vendrai à l'épicerie. Alors, l'auberge. C'est ici l'auberge, mais je suis pas sûr que. Ça, c'est le boucher, je pense. Ah non, l'auberge, c'est juste après. Ok. Allez. Donc, l'auberge, c'est ici. Mais je suis pas sûr que ce soit là quand même. Je suis pas très très sûr que ce soit ici. Du coup, bah c'est pas grave. Écoutez, on va aller les vendre à l'épicerie du village. Comme ça, au moins, on sera sûr que c'est au bon endroit. Au pire, je regarderai où ça se trouve. Et puis, comme ça, là, pour la prochaine fois, je le saurai. Parce que c'est vrai que j'ai pas regardé où est-ce que c'était la boutique. Enfin, le point de vente qu'ils appellent boutique. Donc là, non, attends, c'est pas ici, c'est la filature. Le magasin, c'est ici. Enfin, l'épicerie du village. Hop. Du coup, ça doit être lui, je pense. Tech. Alors, qu'est-ce qu'il va me dire? Je peux lui parler ou pas? Ah non, en fait, on peut pas lui parler. Donc, est-ce que si je fais ça? Ah oui, en fait, ça se vide. Ah, il y a un truc qui se vide, mais je sais pas quel sac. Ah oui, ok, bah c'est le sac en fait. En fait, tu le donnes au mec, tu vois. Et un sac te rapporte 765 euros. Ok, bah écoute, on va mettre tous les sacs ici. Voilà, c'est ouais, c'est vraiment la première fois que je fais ça, du coup, je sais pas trop comment ça fonctionnait, mais au final, ça va, ça se passe plutôt pas mal, point de foi. Voilà. Donc là, on voit l'argent qui monte. Donc c'est que ça fonctionne comme il faut. Donc voilà, il faut bien les mettre à plat, sinon ça marche pas. C'est ce que je vois. Voilà, bah écoutez, c'est pas mal comme ça. Donc là, on était à 179 000 euros. Donc voilà, c'est ce que je vous disais. On doit être à 3 700 euros de plus, je pense, quelque chose comme ça. Voilà, bah écoutez, j'espère que cette petite vidéo vous aura plu. Voilà, n'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé. Hein, et puis la prochaine fois, je pense qu'on fera une petite vidéo pour vous montrer comment on fait du pain sur Offerman. Et puis, bah écoutez, n'hésitez pas à commenter et puis à liker, ça fait toujours plaisir. Et puis, bah écoutez, on se retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo. C'était Yoplait, ciao tout le monde.